Waouh, il fait froid aujourd'hui hein. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a sorti le e-bike. Et quand je vois l'état de la route, et eh ben je suis bien content de l'avoir. Au moins je peux monter à 17 km/h à fond les ballons, sans trop m'essouffler, sans trop me fatiguer. Oh mais y'a un chien là. Bah qu'est-ce que tu fais là toi? Bah il est où ton maître? Hé, Kiki, viens là. Non, reviens là. Putain, il était beau le chien. On va se faire des petites traces enduro dans la neige. Je pense que ça va être cool, je pense que ça va être marrant. Comme il fait très froid en ce moment, la neige elle reste ultra légère. Bon, malheureusement ça fait une semaine qu'il a neigé en Alsace, donc je pense que toutes les traces ont été poncées, mais on peut tomber sur quelques petites surprises. Mais bon, comme d'habitude, dès que je monte sur ce genre de truc, je suis toujours heureux. Surtout qu'aujourd'hui on a de la chance, on a du beau soleil. Regardez ça. Pouah. C'est trop bien. Voilà en haut de la première trace. J'ai déjà fumé une barre de batterie. Ça se consomme assez vite. Forcément, tu roules dans la neige, bah ça s'enfonce et tout, donc tu perds un peu plus de batterie. Mais au moins, je suis en haut et je suis pas fatigué. Ça fait plaisir. Bon allez, on y va tranquillou bilou. C'est la première, on se chauffe. On découvre les sensations dans la neige, quoi. Bon, ça va le grip. Hop. Ça passe. Hop les. Wouah! Hein? Non, bah, le grip il est chelou. Hein. Hop les! Wouah! Wouah, ça glisse! J'ai peut-être dégonflé un petit peu l'avant. Je suis à 4 barres. Et en tout cas, j'ai hâte de passer ce vélo en tubeless et changer les pneus. Parce que la pneu était pas fou quoi. L'arrière aussi, on va faire la même. Quoi? Bon, ça reste encore bien dur, mais bon. Je suis en chambre à air, j'ai la flemme de pincer. Ah bah ouais. Ouah, ça a tapé. Ah c'est à gauche. Droite je veux dire. Le grip ça va encore, il est bizarre mais ça va. Bon, on va dire c'est la première trace, hein. c'est le temps de se chauffer. Un peu crispé sur le bike. Hein. En fait, t'as trop peur du grip, t'as trop peur qu'à tout moment, ta roue à le vent, ça te fasse. C'est ciao. On va essayer d'augmenter un tout petit peu la compression parce que j'ai direct talonné dès le début. Voilà, je pense que ce sera pas mal. Ouais, c'est incroyable. Oh, ça a été refait bien. Hein. Hop, mais... Merde. Alors là, je crois que tu peux rouler sur une pavasse. Je crois que c'est à droite, là. Moi, je préfère pas dans la neige, je sais pas où c'est. C'est là. Ouah. Ah ouais, la dalle en pierre. Ouah. Ah non, j'ai loupé, là. La deuxième dalle vénère. Mais tu, finalement, heureusement que je suis pas la première trace. Parce que quand t'es la première trace, tu sais pas vraiment où est la piste. Waouh. Le cardio, il est parti à Poudlard. Bon, au début de la descente, j'étais pas serein. Mais maintenant que je commence un peu à comprendre le grip, j'arrive à être plus léger, plus réactif et à attaquer un peu plus, mais tout en restant chill. C'est bien ça de rouler dans ce genre de conditions. Le terrain est tellement piégeur que t'es obligé d'être ultra léger et concentré sur ton pilotage. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment pas, t'arrives comme un bourrin et tu vois comment ça se passe. Tu lâches un peu les poneys, mais tranquille ou bilou. La vue est pas mal à gauche, en effet. Pendant que je me tape 15 minutes de montée. Bon, ça va en électrique, ça va. Je vous invite quand même à vous abonner, si c'est toujours pas fait, si vous aimez ce genre de vidéos enduro VTT électrique, mais je propose aussi sur cette chaîne des sorties moto électriques et tout, donc si tu kiffes un peu tout ça, abonne-toi, t'es sur la bonne chaîne. Et si tu souhaites me soutenir, bien évidemment, le petit pouce bleu, c'est gratuit, et ça me soutient énormément. Oh, j'ai dû jouer dans la direction. Ah non, non, c'est rien, c'est le disque flottant. Quel beau château, je pense que je serai la première trace ici. Ouah, ça glisse, oh là là là. Ouah, ça glisse bien. Oh, je serai la première trace. Oh oui, je suis en première trace. Non, c'est à gauche, à chaque fois je me fais avoir. Aïe. Ouah, c'est à gauche. Aïe, la pédale. Oh, il y a un saut là. Allez. Ouah. Je crois qu'il a arraché un derrière. Alors en dessous, c'est une énorme dalle, je sais même pas. Non, vas-y, je prends même pas de risque. Bah, vu comment ça glisse. Oh,
Tu ne vois rien sous la neige. C'est du freestyle. C'est du freestyle. Total. Ouais, ouais. Ah, j'ai loupé le saut à droite. Ouais, c'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette trace. Wow. Le grip, on va y arriver. Ça me tue, c'est les animaux qui utilisent la trace. Tu as plein de petites pattes. C'est un petit lapin, il a ouvert la trace avant moi, ce petit bâtard. Là, ouais. Virage. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est là, ouais. Oups, les. Oh, il y a un saut. Ouais. Oh, oh, oh. Ok. Oula. Oula. Oh, oh, c'est où? Wow. Heureusement qu'elle encaisse bien cette Durolux 38. Ça fait bizarre quand tu vois pas la trace. Tu sais pas où sont les racines en dessous de la neige et tout. Ça peut être fourbe de ouf. Ouah. Ouah. Olé. C'est où là? C'est là. On y arrive. Putain, c'est un sanglier qui prend les appuis ou c'est comment là? Ouais, super. Ouais, j'ai le seum d'avoir raccroché la pierre dès le début. Oh, j'ai pris trop l'inter. Ah ouais, pierre quand tu les vois pas. Oh, c'est incroyable. Non, non, non. C'est où? C'est là. Wouah. Alors là, c'était l'éclat total. C'était incroyable. Alors déjà que la trace d'origine, tu te fais brasser avec tous les gros pierriers. Mais quand tu vois pas les pierres sous la neige, putain. À tout de suite pour la troisième descente. Allez, c'est parti, troisième descente. Là, faut faire attention, c'est du dévers et ça glisse. Allez. C'est quoi ici? Ouais, c'est racine. Oh là là. Le grip est quand même incroyable. C'est fou, hein. Malgré mes pneus été. Ouais. Et malgré la première trace, ça reste plutôt pas mal le grip. Olé. Waouh. Comme ça, je suis la première trace. Ah ouais, c'est direct à droite, je crois. C'est ça. Quand c'est... Hop. C'est fatigant mais c'est incroyable. Non, non, non. Ouah, je suis mauvais là, j'ai du mal. Ouah. Waouh. Quand c'est en dévers comme ça, c'est pas drôle. Donc je pense à regarder loin aussi. Je regarde trop mes pieds. Enfin ma roue avant je veux dire. Ah, j'ai loupé le. Je sais pas. Je sais pas où c'est là. Je comprends rien. Ah bah j'ai loupé le saut à droite. Quoi, y a un sanglier qui s'est fait plaisir. Il a tout niqué. Wow wow wow. Regarde loin Pierre. Voilà, c'est mieux quand tu regardes. Oula. Wow wow wow. Oh, je crée la première trace. Oh, non. Mais on bien. Waouh. Waouh, c'est là. Waouh, ça glisse. Et là, c'est direct à droite, je crois. Oui, c'est là. Ouais. Et là, c'est pareil, direct à droite. On va y aller tranquille parce que ça glisse. Ouais. Waouh. Waouh. Waouh, la neige, elle est... C'est... Voilà, c'est mort. C'est trop dangereux là. C'est trop dangereux, je passe par là. Bête bizarre, pourtant elle reste. Elle est pas humide. J'ai trop peur de me faire surprendre. Et j'ai glissé de ouf juste avant.
Voilà, je suis tout seul, je prends pas de risque. Dommage parce que cet enchaînement est pas mal. Et cet arbre, il était pas tombé avant, je crois. Je sais pas. Ça reprend là. Wow. Bah les amis, fin de vidéo, j'espère que cette petite sortie enduro électrique vous a fait zizir. Franchement, les sensations dans la neige et puis le grip, je ne m'attendais pas à avoir autant de grip malgré mes pneus été. En tout cas, je pense que la prochaine vidéo de ce type, ça sera avec des pneus crantés pour hiver et en tubeless. Donc abonne-toi pour pas louper ces prochaines vidéos. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. A plus les copains, ciao. Trop bien.